Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo improvisée sur FNAF encore et toujours. J'avais dit que je passerais à un autre univers de jeu pour mes futures théories, mais honnêtement il n'y a pas trop d'univers de jeu qui m'intéresse plus que FNAF actuellement, donc on va continuer comme ça. Il y a peut-être Outlast que je ferai un jour, ou peut-être Dark Souls, le jour où je suis inspiré et que j'ai rien à faire pendant des heures de perm. Vous verrez ça arriver, ça arrivera peut-être un jour, mais voilà. Attends, parlons de FNAF. Une des choses qu'il ne faut pas oublier dès qu'on parle de ces jeux, c'est qu'il faut prendre en compte tous les détails dès qu'on fait une théorie. C'est d'ailleurs une erreur que j'ai déjà dû faire tellement cette timeline est compliquée. J'ai encore une fois une grosse vidéo théorie qui va bientôt arriver sur la chaîne, mais c'est une vidéo assez spéciale avec un sujet assez sérieux, donc il me faut masse d'informations et pas mal de confirmations, donc il y a beaucoup de travail derrière cette vidéo, je la prépare, elle sortira peut-être le mois prochain, peut-être en novembre, je sais pas, mais en attendant, j'aimerais vous parler de Doremi Theory. L'une de mes habitudes sur YouTube est de taper FNAF Theory dans la barre de recherche et de voir les dernières vidéos sorties. Habituellement, c'est Foxy est gentil, Springtrap est gentil, ou le montage est pas incroyable, enfin, je tombe très rarement sur des cas exceptionnels avec des bonnes théories, mais un de ces jours, je suis tombé sur Doremi Theory. Nous allons revoir des théories de cette personne une par une, et un peu analyser et voir le sujet. Enfin, je ne suis pas là pour cracher sur cette personne, bon, même si c'est une habitude sur ma chaîne maintenant, mais je ne suis pas là juste pour y cracher dessus, c'est surtout pour argumenter, pour parler entre fans de FNAF, chose que je n'ai jamais fait sur YouTube d'ailleurs, c'est une première. Juste parler théorie harmonieusement, donc soyez sympa dans les commentaires. Je me lance. Si vous avez vu ma timeline, donc vous devez connaître mon avis sur ces deux personnages. Madame Afton n'est pas mentionnée directement dans les jeux, mais peut exister. Par contre, concernant Golden Freddy, on a quand même énormément de doutes et de théories. Déjà, je tiens à rappeler qu'on a Cassidy, le cinquième enfant qui est censé l'être, l'enfant mordu de 83 peut-être, voire même la femme de William Afton d'après Doremi. L'une des questions que je me pose, dès qu'on me dit que le Crying Child est Golden Freddy, c'est où est le cinquième enfant de Freddy Fazbear's Pizza? La réponse à cette question, ça serait qu'il y aurait deux Golden Freddy, mais bon, passons, c'est juste voilà, c'est juste une théorie que je trouve assez étrange. De rassembler tous les animatroniques maudits en un seul endroit, de les piéger dans une fosse et de les brûler. Mais où était la femme de William là? Nous n'avons jamais entendu parler de Madame Afton directement, donc se poser cette question à la fin de FFPS, c'est pas vraiment très logique. C'est aussi logique que de se demander où est Von Dude après FNAF 3. Cela expliquerait également pourquoi Golden Freddy dit régulièrement « It's me, c'est moi », car à certains moments du jeu, nous incarnons Michael, donc c'est la mère qui essaye de communiquer avec son fils. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que Michael Afton a énormément de ressemblances avec son père, donc le « It's me » s'adresse plus au tueur qu'au personnage en lui-même. Autre indice, on voit souvent une peluche Freddy apparaître dans la maison des Afton, donc je pense que c'est en réalité la mère, mais qu'elle est déjà morte à ce moment-là. C'est peut-être la mère sous forme de fantôme qui hante la maison et qui veille sur ses enfants. Idem avec la peluche, ça peut être justement le lien en plus entre le Crying Child et Golden Freddy, et nous savons d'ailleurs depuis Cesar Location que c'est en réalité William qui surveille son fils grâce aux caméras de la fake ending. D'ailleurs, les autres animatroniques parlent de Golden Freddy à William comme celui qu'il n'aurait pas dû tuer. Ils disent « celui » donc au masculin parce qu'ils font référence au costume de Golden Freddy. Mais je vous confirme que c'est bien une voix féminine qui est liée à Golden Freddy. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à passer à autre chose, parce que la femme de William a vraiment tout perdu dans cette histoire. Pour rappel, c'est un enfant qui parle. Bon, un enfant de 40 ans, mais il ne sait pas ce qu'il dit. C'est celui qui n'aurait pas dû être tué parce qu'il est un peu capricieux. Une femme serait plus mature que ça et se laisserait reposer en paix une fois morte et une fois que tout le monde va bien. Et on peut observer un poster sur le mur, et pour moi, ce poster représente la famille Afton. L'homme en haut est William, donc facile. Sa version miniature est Michael, qui deviendra un autre homme violet, comme son père, donc Purple Guy. Le clown est Crybaby, donc la fille. Et enfin, l'ours est le quatrième membre de la famille, Golden Freddy. Et ça ne peut être que la mère. Sauf que non, ça ne peut pas être forcément elle, vu qu'il y a aussi le Crying Child dans la famille. Cette théorie n'est pas forcément fausse, mais elle se base plus vers un Crying Child, Golden Freddy, que vers une Madame Afton, Golden Freddy. Et surtout, comment William pourrait la tuer dans ce costume sans se faire repérer par qui que ce soit? Concernant cette théorie, je vais être honnête, elle est totalement possible.
J'avais interprété The Immortal and the Restless en disant juste que William voulait devenir immortel et qu'il rejetait son fils. Mais je n'ai pas parlé de Clara, parce qu'à part dire que le bébé est au vampire, elle fait pas grand chose. Mais si on nous la montre dans le même jeu que dans celui où on voit Ballora, peut-être que des connexions peuvent se faire. Personnellement, je reste sur ma théorie sur Ballora étant Madame Afton, pour rester dans la logique d'Afton Robotics. La robotique Afton avec toute la famille dedans. Mais une maîtresse à William n'est pas une possibilité à écarter. En soi, pas mal de tueurs en série avaient des maîtresses. Et petite précision, si le bébé est bien Michael, alors ça voudrait dire qu'il n'est pas le vrai frère de la famille, et donc que selon votre théorie, ça pourrait expliquer le bizutage de FNAF 4. Donc cette théorie pour moi c'est check, elle est probable avec un peu de développement de la part de Scott. Troisième théorie, FNAF Help Wanted se déroule avant tous les autres FNAF. Alors non. Dès le début, je ne peux pas être d'accord avec cette théorie. Peu importe les arguments, cette théorie sera impossible. Je m'explique. FNAF VR Help Wanted est un jeu en réalité virtuelle dans la timeline. Donc cela doit au moins se placer dans l'ère de la VR niveau époque. Ce qui place ce jeu au minimum en 2016-2017, sauf que la timeline débute en 1980 environ. Donc c'est impossible que le jeu VR se déroule au début. Surtout quand on voit FNAF 1 à 3 dedans, ce qui le place du coup en 2023 au minimum. Et si William Afton était un homme ordinaire dont l'esprit a été infecté par le virus Glitch Trap? Décidément, vous me devancez dans mes théories. Ma prochaine grosse théorie se basera justement sur l'origine de la folie de William Afton. Mais cela ne place pas obligatoirement FNAF VR en début de timeline. Parce que du coup, le jeu nous montre des meurtres d'un tueur qui n'a pas encore existé. Ce qui n'a pas vraiment de sens. Théorie numéro 4. William et Henry sont la même personne. Là aussi, juste à l'évocation de la théorie, je ne peux que contredire. Enfin, dans les romans, on nous décrit carrément une photo d'Henry et William côte à côte. Donc ça peut pas être le même gars. Mais surtout, un truc qui contredit cette théorie assez facilement, c'est juste le fait que Henry a organisé tout FFPS pour attirer les animatroniques, William et ses victimes, pour ensuite tous brûler en paix. Et dans le même jeu, on a la voix de William Afton et la voix de Henry, qui sont toutes les deux totalement différentes. À la limite, la voix de William Afton se rapproche plus de celle de Michael, vu que c'est le même doubleur pour les deux. Dernière théorie, FNAF Help Wanted et la morsure de 83 sont liés. Bon, là c'est plus de la supposition que de la théorie, mais si c'est bel et bien lié, alors tu viens de détruire ta théorie sur FNAF VR en début de timeline, et la théorie précédente par la même occasion. Mais il y a bien un lien un peu moins direct avec FNAF 4 depuis le DLC particulièrement. Certaines suppositions diraient que Dreadbear serait une représentation du Crying Child. Mais je pense peut-être faire une vidéo théorie sur Curse of Dreadbear, donc patientez un petit peu, j'en parlerai sûrement. Ça arrivera dans le mois prochain, enfin, on verra un peu. En bref, au niveau des théories de Doremi, je dirais que deux d'entre elles sont impossibles, celle sur William et Galangri et celle sur FNAF VR en début de timeline. Une se base sur pas grand-chose pour celle de Golden Freddy et la femme de William Afton. Une autre est probable, c'est-à-dire celle de Ballora serait la maîtresse de William. Et une dernière, c'est plus des connexions entre des jeux, c'est-à-dire FNAF 4 et FNAF VR seraient liées. Mais je respecte entièrement le travail qu'elle a apporté à sa vidéo. Le montage est vraiment excellent, honnêtement. Mais mieux que le mien, hein. Il faut juste revoir tous les éléments avant de théoriser sur Five Nights at Freddy's. Salut à tous, et on se retrouve très bientôt pour une vidéo sur le lobe frontal. Salut tout le monde.